Florence Federle, cette femme a-t-elle tué son mari, Yves? A-t-elle découpé son corps? A-t-elle sectionné et dissimulé la tête et les mains et les pieds pour rendre le cadavre méconnaissable? Tout l'accuse. Elle a un mobile. Yves buvait. Yves passait ses nuits à faire la fête. Yves avait des maîtresses qu'il appelait ses caillettes. Yves ramenait de moins en moins d'argent à la maison. Et Florence, qui aimait bien sa petite vie bourgeoise, semblait en souffrir. Mais dans cette affaire, on manque de preuves absolues. Et Florence a réponse à tout. Elle n'a pas tué son mari, elle le dit et elle le répète. Départementale 75, dans l'Essonne. C'est là que Michel fait du vélo, tous les jours. Mais ce vendredi 27 février 2004, à 8h du matin, quand il traverse la forêt des Grands Avaux près de Chanqueuil, il sent quelque chose de bizarre. C'est l'odeur qui m'a intrigué, hein, quand même, hein, parce que c'était pas naturel, hein, c'était pas des feuilles mortes, c'était une odeur de cochon brûlé. Et puis, au moment de passer devant le parking, là, je me suis retourné, arrêté, et j'ai vu une masse. Alors, c'est pour ça que je me suis approché pour voir, que c'était bien une forme humaine. Le cadavre était sur le ventre, puisque je voyais le fessier, la carcasse noircie, avec encore quelques fumoles qui s'élevaient à un mètre du sol. Et je suis resté 10 secondes, le temps de m'assurer que c'était une forme humaine, et puis ensuite, j'ai repris mon vélo. Et en vélo, Michel file prévenir les gendarmes. Il se rend immédiatement sur place. En approchant, en faisant les premières constatations, on constate qu'il est décapité, qu'il n'a plus de mains et plus de pieds. Un tronc calciné, c'est tout ce qu'il reste. Sans tête, sans mains et sans pieds. On se rend compte que le ou les auteurs veulent retarder l'identification du corps. En coupant la tête, en coupant les mains, en coupant les pieds. Vous allez me dire, les pieds, on ne va pas reconnaître quelqu'un par les pieds. Si, on peut. S'il y a un tatouage, une cicatrice, ou une attelle, une prothèse, donc ça peut retarder éventuellement l'identification du cadavre. Les gendarmes fouillent les alentours à la recherche de la tête et des membres. Rien. Le vice-procureur de la République d'Evry se déplace sur les lieux et confie l'enquête aux policiers de la brigade criminelle de Versailles, qui relève les premiers indices. Il y a une bâche calcinée, assez dégradée, qui supporte le corps, qui sera bien sûr analysée. Il y a un liner, donc une bâche de piscine de couleur bleue très reconnaissable à proximité, qui est quand même un élément assez étonnant, l'impression de quelque chose qui ne va pas dans le paysage. Il y avait sous le corps, au niveau de l'entrejambe, des morceaux de chiffon blanc qui étaient également en partie brûlés, qui, je pense, ont dû être utilisés pour la crémation. Ces chiffons ont bien évidemment été placés sous scellé, envoyés au labo. Les policiers ont le sentiment que le cadavre a été abandonné à la hâte, au milieu du parking. Sans doute peu de temps avant qu'il ne soit découvert. C'est au moment où on enlève le corps qu'ils découvrent un autre indice précieux. J'ai le souvenir très précis de la découverte sous ce corps à hauteur de la partie supérieure d'un mégot de cigarette comportant la trace d'un rouge à lèvres, ce qui est un élément plus que troublant, très, très probant, puisque qui dit rouge à lèvres dit possibilité de prélever l'ADN et de le comparer à un suspect. Des analyses génétiques sont aussitôt effectuées. Le mégot porte deux ADN. Celui de la victime et celui d'une femme. Mais aucune de ces deux empreintes génétiques ne figure dans les fichiers de la police. Aucun élément ne permet d'identifier la victime. On est devant un cas un peu particulier et le travail, dès le début, s'avère difficile. Jean Espitalier, elle est particulière cette affaire parce que vous avez un corps sans main, sans pied
et sans tête. Comment est-ce que vous procédez, l'objectif étant d'obtenir l'identité de ce mort, j'imagine? Il n'y avait aucun document qui permettait de l'identifier a priori. Alors donc, ce qu'on recherche, comme d'ailleurs sur toute découverte de cadavres, ce sont des traces et des indices qui peuvent avoir été apportés là par ceux qui ont amené ce corps, puisqu'il est évident, à ce moment-là, on le voit bien, que cet homme-là n'a pas été assassiné sur les lieux. Vous trouvez des témoins, enfin des gens qui ont vu quelque chose ? On a recherché toutes les personnes qui étaient passées par là et qu'on a cherché tout simplement en étudiant la téléphonie sur ce secteur géographique pendant le temps considéré. On va rechercher également dans les stations-service les personnes qui ont pu acheter de l'essence sans faire le plein. On va rechercher évidemment auprès de tous les fichiers de police et de la gendarmerie nationale si des personnes ont été portées disparues. Et tout ça ne donne rien. Et tout ça ne donne strictement rien. Une autopsie est pratiquée, le jour même. Elle est complétée par une analyse toxicologique qui va révéler de nouveaux éléments. Deux points sont à retenir de la toxicologie. C'est l'absence d'alcool dans le sang et surtout la présence de certaines molécules issues de médicaments de la famille des anxiolytiques et somnifères. Ces trois médicaments, c'est un, le zopiclone, qui est un somnifère, que l'on trouve à des doses extrêmement importantes. On est entre la dose toxique et la dose mortelle. Les deux autres médicaments sont des benzodiazépines. Ce sont deux tranquillisants, qui est à une dose dite thérapeutique. Impossible de savoir si ce cocktail de médicaments est responsable de la mort. Mais ce qui est sûr, c'est que le mélange a au moins plongé la victime dans un état de soumission totale. Dominique, quels autres éléments vont apporter et le rapport d'autopsie et le rapport de levée du corps ? D'abord, on va apprendre que ce cadavre, eh bien, c'est celui d'un homme. La tête, les mains, les pieds ont été coupés. On mesure ce qu'il reste du corps, depuis le cou jusqu'aux chevilles, 1,45 m. Et ce corps, il pèse 65 kilos. Selon les légistes, les membres ont été découpés à l'aide d'une scie électrique, d'avant en arrière. Donc comme ça. Comme ça. Ce qui laisse supposer qu'au moment où il était mutilé, il était allongé sur le dos. On va voir à l'intérieur maintenant, le foie est éclaté, deux vertèbres cassées, la cinquième, la sixième. Et là-dessus, les légistes vont expliquer que pour obtenir ce résultat, pour qu'une vertèbre se casse comme ça, il faut un choc d'une violence équivalente à celle qui est générée dans un accident de la route ou lors d'une chute du troisième étage d'un immeuble. L'analyse toxicologique, elle révèle, on l'a vu tout à l'heure, qu'il a absorbé des somnifères et des anxiolytiques. En revanche, rien dans cette autopsie sur les causes de la mort. Mystère également sur la date de la mort. Le phénomène de décomposition n'a pas encore commencé, mais les données sont faussées peut-être parce que c'est un corps qui a séjourné dehors au mois de février. Donc il fait froid, les conditions climatiques sont plutôt optimales pour la conservation des chairs. Ça, c'est pas bon pour dater la mort. Donc finalement, dans cette autopsie, on n'apprend pas grand-chose. Rien, en tout cas, ni sur les causes de la mort, ni sur la date de la mort. La même semaine, et ça paraît n'avoir aucun rapport, à 30 km de là, une femme vient déclarer à la gendarmerie de Milly-la-Forêt que son mari a quitté le domicile conjugal. À Moigny-sur-École, Florence Federlé est sans nouvelles de son mari Yves Bourgade. Elle raconte qu'il est parti précipitamment de la maison il y a 2 jours. Elle m'a dit précisément, voilà, il est parti, j'étais à la salle de bain, j'ai vu le toit d'une voiture grise qui l'a emmené. Je lui ai dit, mais comment se fait-il? Il n'est pas parti avec sa voiture. Non, il est parti, il a emmené ses affaires dans un sac poubelle. À chaque membre de la famille, à tous ses amis, Florence répète inlassablement la même histoire. Yves est parti avec une fille de 25 ans, il m'a dit de tout vendre. Je lui ai dit, attends,
Là, je parlais un peu crûment, un peu vulgairement. T'es connerie, qu'est-ce que tu me racontes, là, Yves? Il va quand même pas partir, attends. T'as les trois enfants, là, je savais qu'ils avaient pas trop de boulot, il va pas te laisser comme ça. Si. Et puis la voiture est partie. Mais je lui dis, attends, t'as pas à chercher à voir, t'as pas à chercher à sortir, à voir la nana, quelle tête elle avait. Non. Oui, je partais avec une petite jeune et tout. Et c'est le lendemain qu'elle va chez les gendarmes pour signaler que son mari a abandonné le domicile conjugal. Elle raconte qu'il est entrepreneur en maçonnerie, qu'il a de nombreux chantiers à honorer et surtout qu'il a trois jeunes enfants. Son départ, dit-elle, la met dans une situation très délicate. Je la vois à l'école, dans sa voiture, et avec vraiment une très très mauvaise mine, elle était anéantie. Elle savait pas ce qu'elle allait faire, quoi. Intérieurement, je faisais des reproches à mon fils de quitter comme ça la maison et les enfants surtout. Pour moi, bon, il a pu partir. Je connais l'oiseau, il est peut-être parti chez une caillette, comme c'était un peu son nom, une petite nana, et puis il va revenir. Mais partir comme ça, personne ne comprend. On se demande où il est passé, quoi. Puis elle me dit régulièrement, elle me dit, appelle-le sur son portable, essaye de le convaincre de revenir, parle-lui. Et à chaque fois que j'ai appelé le portable était saturé de messages. Il n'y avait pas du tout moyen de laisser un message. Donc j'ai appelé plusieurs fois, puis au bout d'un moment, on laisse tomber, parce qu'on sait bien qu'apparemment, il ne lisait pas ses messages. Ce qui m'a interpellée le plus, c'est que son fils aîné, avec lequel il était très très proche, n'est jamais de nouvelles, et que de temps en temps, on les voyait, et que jamais il n'avait de nouvelles de son papa, il ne parlait pas de son papa. C'est là où on commence à s'interpeller, quand même, et se dire, il se passe quelque chose de pas normal. Edith, vous êtes la sœur d'Yves Bourgade. Quand votre maman vous dit « ton frère est parti avec une jeunette de 25 ans », ça tient la route, ça ? Moi, j'y croyais pas. Je suis tombée de haut à ce moment-là. J'ai dit « mon frère partir, comme ça, tout laisser, sa famille, ses enfants auxquels il était très attaché, sa maman, sa région, ses amis. » Franchement, j'y ai pas cru, du tout. J'ai dit, il va revenir. Et Florence, votre belle-sœur ? J'attends un petit peu, 2 jours en fait, pour l'appeler, en me disant, il va revenir, je ne vais pas me mêler de leurs problèmes de couple. Quand je l'ai eue au téléphone le samedi, je l'ai trouvée très peu inquiète. Tout de suite, moi j'ai dit, mais ce qu'il t'a fait, vraiment, c'est dégoûtant. Moi-même, femme au foyer avec 3 enfants, je me révoltais contre ce qu'il avait fait. Je trouvais ça vraiment ignoble. Et j'étais étonnée du fait qu'elle ne surenchérisse pas, qu'elle me dise, oui, tu as raison, vraiment, c'est dégoûtant ce qu'il m'a fait. Elle disait juste, ne t'inquiète pas, il va revenir, c'est pas grave. Absolument pas inquiète. Pas assez blessée, au fond. Non, pas du tout. Je l'ai trouvée très, très pimpante pour quelqu'un qui vient de se faire plaquer par son mari. Tout allait bien, encore une fois, on s'en faisait trop. Il allait revenir, il n'y avait pas de problème. Est-ce qu'à ce moment-là, le pire, c'est-à-dire l'idée que votre frère ait été tué, vous traverse l'esprit ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. J'avais cette pensée-là dans une petite case, mais je refusais absolument cette éventualité-là. 10 jours plus tard, Yves est toujours introuvable. Florence répète que son mari va revenir, mais sa belle-famille est très inquiète. La mère et la sœur d'Yves Bourgade insistent pour que Florence retourne à la gendarmerie, car pour elle, Yves n'est pas parti. Il a disparu. On lui a dit que nous avions fait une déclaration à la gendarmerie et qu'il serait bon qu'elle en fasse une également. Elle n'était pas très, très chaude pour le faire, mais nous l'avons incitée à le faire et je suis allée avec elle. Elle n'était pas très heureuse de me voir arriver. Et nous sommes allées toutes les deux à la gendarmerie, Milly-la-Forêt à ce moment-là.
Le 5 mars 2004, Madame Federley Florence se présente à la brigade de Milly-la-Forêt et désire effectuer une recherche dans l'intérêt des familles. Elle signale aux gendarmes de permanence que son mari a quitté le domicile conjugal avec une jeune femme, qu'il serait parti en voiture avec son téléphone portable, sa carte bancaire. Ce récit intrigue le gendarme. Alors il ne va pas suivre la procédure classique. En principe, il devrait envoyer tout de suite cette recherche dans l'intérêt des familles en préfecture. Mais avant cela, il demande à son équipe de mener une petite enquête. Florence a dit que son mari aimait les voyages. Elle est venue plusieurs fois nous voir à la brigade. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle venait, elle disait que son mari aimait bien le Sénégal, que son mari aimait bien le Portugal, aimait bien la Corse. Mais elle ne nous a jamais dit ces choses-là en même temps. C'était à chaque fois qu'elle venait à la brigade, elle nous donnait un élément comme ça, évidemment, pour qu'on puisse effectuer des recherches. Les gendarmes s'intéressent particulièrement à la piste du Sénégal. Une piste qui paraît vraisemblable au vu des relevés téléphoniques d'Yves Bourgade. Nous avons constaté que deux appels avaient été émis au Sénégal. Madame Federley, en aparté, nous avait dit que son mari avait pour projet de partir en Afrique. Donc nous avons effectué des investigations sur ces deux appels. On a fait des vérifications au niveau des aéroports. Toutes les listes d'embarquement ont été épluchées à la destination du Sénégal pour montrer qu'aucun embarquement n'avait été fait au nom de M. Bourgade. Et c'est venu également, son meilleur ami nous a confirmé également qu'il lui avait des attaches au Sénégal. Il les a contactés également au niveau de l'ambassade et tout, et on lui a confirmé que M. Bourgade n'était pas venu au Sénégal. Donc cette porte-là a été bouclée. De plus en plus inquiète, la famille d'Yves décide de mener sa propre enquête. Edith, la sœur, contacte une association d'aide aux familles victimes de disparition. Le 13 mars, 15 jours après le départ d'Yves, elle rédige un avis de recherche sur le site internet de l'association. Quand Florence l'apprend, elle est furieuse. Elle m'a téléphoné un jour, très très mécontente. Elle s'est vraiment fâchée sur moi, sur la famille, parce que la photo ne lui plaisait pas, que cette annonce était très mal faite, très mal rédigée. Ça ne lui avait pas plu du tout. Elle m'avait dit qu'il fallait faire un conseil de famille pour faire cette chose-là, que c'était inadmissible, pour lui ne pas demander conseil. Entre Florence et sa belle-famille, les relations se tendent brutalement. Un climat de suspicion s'installe. Florence ne supporte plus la pression des Bourgades. Elle trouve qu'ils n'ont pas rentré dans sa vie privée, que Yves, qui est parti avec une fille, c'est sa vie privée à elle et c'est pas la leur. Donc ils n'ont pas à s'occuper de ça. Et c'est vrai qu'elle avait l'impression qu'on rentrait dans son intimité. C'est ça qui la gênait. Yves Bourgade a disparu depuis un mois. Les gendarmes ont exploré toutes les pistes ouvertes par sa femme, sans résultat. À la brigade territoriale de Milly-la-Forêt, on commence à trouver cette disparition suspecte, d'autant que la famille Bourgade, elle aussi, exprime de plus en plus ses doutes. Le 23 mars 2004, le parquet décide d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. L'enquête monte d'un cran. Les gendarmes vont maintenant pouvoir déployer des moyens d'enquête plus importants. Le 23 mars, ils en informent Florence Federley, qui paraît extrêmement surprise. Quand je suis arrivé, elle était en plein remue-ménage, elle était en train de faire le tri dans les papiers et tout. Elle était assez surprise de me voir. Elle ne s'attendait pas à ma visite chez elle. Étant donné qu'on lui a expliqué qu'une recherche dans l'intérêt des familles, c'était plus une formalité administrative, qui avait pas, pour elle, il n'y avait pas d'enquête. Donc ça la surprenait un petit peu de me voir arriver comme ça, de but en blanc, et de commencer à lui poser des questions un peu plus précises sur la disparition de son mari. Car Florence est en train d'organiser sa nouvelle vie.
elle est en train de tirer un trait sur son passé avec Yves. Une histoire qui a commencé dans les années 90, quand Florence a rencontré Yves Bourgade et qu'elle s'est installée avec lui dans une belle maison à Moulignon. À l'époque, Yves était un beau parti, fils d'une famille bourgeoise de Melun. Florence, elle, était la fille d'un peintre coté de Barbizon. C'était un beau garçon, sympa, jovial, aimant la vie. Il avait tout pour plaire, donc je pense qu'il y a le physique, il y a le côté jovial, et puis bah, il y a l'aisance. Donc ça fait un tout, ça fait un beau parti. Quand elle s'est installée à Moulignon, c'est sûr qu'elle avait conquis Yves Bourgade et elle voulait tout de suite un enfant. D'ailleurs, ça s'est fait dans les 9 mois qui, j'allais dire, peut-être que c'était en route avant, mais ça s'est fait dans les 9 mois qui ont suivi, en quelque sorte, l'installation de Florence à Moulignon. Florence est mère au foyer et s'occupe de la maison. Avec elle, Moulignon est devenu un petit manoir dans lequel le couple mène grand train. Là, c'était la vie de château. On mettait des éclairages dans tous les sens, il y avait du monde, grande réception, on ne reçoit pas 2 amis, on recevait 10 personnes à table. Et une table qui pouvait contenir 10 personnes, on en mettait 14. On rajoutait un bout de planche et venait manger. Et c'était un soir, 2 soirs, le midi. Il aimait bien recevoir ses amis et nous, on y allait régulièrement tous les dimanches. Quasiment tous les dimanches. Et pendant un certain nombre d'années. Les copains d'Yves envahissent en permanence la maison. Mais le couple aime être entouré et Florence excelle dans l'art de recevoir et dans les mondanités. Oh, c'est super! Vous avez tout au mur! C'est quoi? Oh, c'est super! Oh, bah dis donc! Génial! Tous les ans, à Noël, elle organise de grandes réunions de famille. Elle est toujours au fourneau, mais rien ne lui pèse quand il s'agit de faire plaisir à Yves. Elle aimait beaucoup son mari. C'était quelqu'un pour elle qu'elle vénérait. Je pense que elle adorait son mari, quoi. C'était quelqu'un de bien, bon, malgré certains petits hauts et bas comme il y a dans tous les couples, mais elle adorait beaucoup son mari. C'était un couple qui semblait très très bien fonctionner. C'était des gens très drôles, on passait d'excellentes soirées avec eux, c'était vraiment très agréable. C'était des gens qui étaient assez complices, quand ils vous racontaient quelque chose, ils se mettaient en scène tous les deux, donc ça vous faisait rire obligatoirement. Donc c'était vraiment des gens très très agréables, l'un comme l'autre. Naissance d'un 2e enfant. Mais Florence en veut plus. Elle veut être aussi l'épouse officielle, elle veut un mariage en grande pompe. Ce mariage, elle l'annonce à tous en 97. Il ne voulait pas se marier. Il avait toujours dit qu'il ne voulait pas se marier. Et là, apparemment, il avait cédé. C'est elle qui avait décidé. Tout se faisait comme ça. C'était très, très rapide, peu de temps après le décès de mon mari, donc du père d'Yves, et qui avait été très affecté du décès de son père. Je pense qu'elle a profité un peu de cette occasion. 3 ans plus tard, c'est la fin de la vie de château. Problème d'argent, baisse de train de vie. En 2000, Yves et Florence doivent vendre Moulignon pour une maison plus modeste qu'ils louent à Moigny-sur-École. À partir de ce moment-là, le couple s'isole. Et quand Yves disparaît le 25 février 2004, cette fois-ci, l'argent ne rentre plus du tout. Florence est inquiète et elle ne s'en cache pas. Elle m'en parlait ouvertement, elle me parlait qu'elle allait vendre des meubles, des tables. Yves avait de très très jolis meubles. Elle avait vendu une telle chose à un tel, les véhicules également. Car Yves était collectionneur. Il avait une passion pour les véhicules militaires. Il possédait 2 jeeps et avait récemment acheté un gros camion. Florence vend aussi sa fourgonnette, sa remorque, et une bonne partie de ses outils. Le fait de vendre les biens d'Yves, moi, ça me sidère. Parce que je m'imagine, si Yves revient, on est vendu ses biens pour payer des... Non, là, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Chez les proches, le malaise grandit.
Florence a décidément une attitude très étrange. Elle envisage même de refaire sa vie ailleurs. Et là, elle m'a dit, maintenant, j'en ai marre d'être ici et tout, j'ai qu'une seule envie, c'est de partir. Elle voulait redémarrer sa vie à zéro, avec du nouveau mobilier, des nouvelles voitures, et puis redémarrer dans une autre région et tout. Ça avait été vite, tout ça. Je lui ai dit, mais attends, mais s'il revient et tout, ça avait été vite, tout ça. C'est vrai qu'elle réorganise sa vie très vite, mais je pense qu'elle n'avait pas le choix. Il y avait encore une fois pas d'argent qui rentrait à la maison. Donc il y avait quand même trois jeunes enfants, plus elle, fallait vivre. À ce moment-là, je pense qu'elle a effectivement, c'est ça la bonne conduite à tenir, quoi. Elle ne va pas s'arrêter de vivre et pleurer en attendant que ça se passe. Il faut qu'elle bouge et c'est ce qu'elle fait. Florence prépare son déménagement, éponge les dettes et parle maintenant de liquider l'entreprise d'Yves. Ça fait beaucoup. En peu de temps. On était tous intrigués, inquiets. Il y avait quelque chose d'anormal, mais on ne savait pas quoi. Le 19 avril, un peu moins de deux mois après la disparition d'Yves, Florence appelle les gendarmes de Milly-la-Forêt. Elle vient d'être cambriolée. Les gendarmes visitent une maison complètement retournée. Mais bizarrement, Florence Federley ne déclare que des broutilles. Le vol de jouets, d'outils et des poids d'une horloge comtoise. Ça n'a pas de sens. Puis elle se met à parler d'Yves. Depuis son départ, dit-elle, elle s'épuise à tout gérer toute seule. Et elle ajoute, de manière totalement inattendue, qu'il vient d'essayer de l'appeler. Elle me fait écouter son répondeur téléphonique. Et là, on entend une voix assez inaudible qui fait « Bonsoir, ma chérie ». Et le message s'arrête là, j'en entends pas plus. Et donc, elle m'explique que c'est certainement son mari qui a dû chercher à la joindre pendant qu'elle était absente. Les gendarmes ont l'impression qu'on les manipule. Alors, pendant que Florence leur raconte un cambriolage sans intérêt, l'un d'entre eux monte à l'étage. Et dans la chambre du couple, il remarque une curieuse superposition de morceaux de moquette. Sous le premier morceau de moquette, je m'aperçois qu'il y a une tache blanche qui dépasse, donc comme une tache d'eau de Javel. Donc la moquette est délavée sur quelques centimètres. Et je me dis, tiens, ça cache une tache de Javel. Je me dis, il s'est passé quelque chose dans cette pièce et on veut le cacher. C'est bizarre. Mais il faut rester discret. Après tout, les gendarmes ne sont là que pour constater un cambriolage. Mais décidément, tout cloche dans cette histoire. Le départ d'Yves Bourgade avec une inconnue, l'attitude de Florence Federley, et maintenant ses vols un peu louches, et puis ses taches de Javel étranges. Soudain, l'un des gendarmes a une intuition. Tout d'un coup, j'ai... Je fais une relation, je ne sais pas pourquoi, avec un cadavre qui avait été découvert dans la forêt de Chancueil. Et je demande au technicien en identification criminelle, je lui demande, mais est-ce que le corps qui avait été découvert, enfin le tronc qui avait été découvert en forêt de Chancueil a été identifié? Et là, j'ai vu tout de suite sur son visage, il dit non. Et si le tronc de Chancueil était celui d'Yves Bourgade? Le vice-procureur de la République autorise une comparaison ADN. Un prélèvement est réalisé sur Edith, la sœur d'Yves, pour être comparée à l'empreinte génétique du corps calciné. Pendant ce temps-là, les gendarmes interrogent Florence Federley et cette fois, le ton change. Là, je lui ai dit que dans les disparitions inquiétantes, il y avait la disparition inquiétante volontaire et la disparition inquiétante involontaire. Là, je l'ai senti sur ses gardes. Et elle m'a dit, mais qu'entendez-vous par là? Et j'ai dit, écoutez, toutes les pistes vont être explorées. Hein. On va chercher partout, même au fond du jardin. Florence Federley sent bien la suspicion des gendarmes. Mais elle ne change rien à son attitude. Un mois plus tard, elle va même jusqu'à rappeler la brigade territoriale de Milly-la-Forêt. Elle vient d'être à nouveau cambriolée. Pour la deuxième fois, en à peine un mois. Ça fait beaucoup en peu de temps, et on s'est regardé tous les deux dans la voiture, et on a dit, en clair, on a dit, qu'est-ce qu'elle va encore nous inventer, celle-là, pour nous emmerder, voilà. Parce qu'on sentait que c'était pas clair à chaque fois. Cela dit, les gendarmes ne sont pas mécontents de pouvoir remettre les pieds chez elles.
ils n'ont pas oublié l'intrigant morceau de moquette dans la chambre. Cette fois, Florence Federle est stressée, beaucoup moins bavarde. Alors ils font traîner les constatations et pendant ce temps-là, l'un d'eux se glisse dans la chambre du couple et découvre que les morceaux de moquette cachent en fait de très larges taches de javel. Il s'est forcément passé quelque chose dans cette pièce. Et reste à savoir si ça a un lien avec la disparition d'Yves Bourgade. Jean Espitalier, à la fin du mois d'avril 2004, les gendarmes de la brigade de recherche d'Evry prennent contact avec vos services de la police judiciaire de Versailles. Qu'est-ce qu'ils vous disent précisément ? Ben, ils nous disent tout simplement qu'un homme qui s'appelle Yves Bourgade a disparu depuis le 25 février 2004, que son épouse est venue déclarer sa disparition, que depuis, il n'a pas été retrouvé, que le comportement de son épouse est apparu comme bizarre au fur et à mesure qu'il le recherchait. Et ils savent que vous, par ailleurs, vous avez un cadavre non identifié. Ils sont venus pour ça. Alors c'est simple, il suffit de comparer l'ADN d'Yves Bourgade avec celui du corps calciné retrouvé au Grand Aveau. Ça donne quoi ? Mais l'ADN d'Yves Bourgade, on ne l'a pas. C'est l'ADN de sa sœur qui va être comparé avec celui du cadavre. Et là, on va voir que ces ADN sont compatibles. Donc le corps que l'on a retrouvé était très vraisemblablement celui d'Yves Bourgade. Vous le dites tout de suite, ça, à sa femme, Florence ? Certainement pas. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on a cet élément, il faut développer une enquête. Donc c'est une carte que vous conservez dans votre jeu, tout en commençant à enquêter sur Florence Federle. Nous avons besoin d'enquêter sur elle pour en savoir plus sur leur vie et sur ce qu'est cette femme, parce que pour le moment, nous ne comprenons rien. Edith, quand les policiers de Versailles vous apprennent que votre frère a été assassiné, que son corps a été martyrisé, hein, qu'on lui a sectionné la tête, les pieds, les mains, comment est-ce que vous réagissez ? Je ne l'ai pas tout à fait appris de cette façon-là. On m'a d'abord dit qu'il était décédé. Après, on m'a dit qu'il était assassiné. Et là, je me suis vue dans un film. Bien évidemment, j'ai dit « ça n'est pas possible ». C'est un cauchemar, vous n'y croyez pas. Les détails, je les ai appris par des membres de ma famille, les jours qui ont suivi. La police n'a pas osé vous donner tous les détails ? Non. Tout de suite ? Non. On ne m'a pas dit qu'on lui avait coupé la tête, les membres, je n'ai pas su ça tout de suite. On ne m'a pas dit qu'il avait été brûlé. Le 13 mai 2004, le procureur d'Evry ouvre une information judiciaire pour assassinat. La PJ de Versailles doit reprendre l'enquête à zéro et dresser le portrait de la victime. Et les policiers découvrent que le vaillant entrepreneur, bon père de famille, est aussi un sacré fêtard. Il était très travailleur pendant la semaine, mais le week-end, il aimait se détendre et sortir. C'est un garçon qui aimait danser depuis qu'il était très, très jeune. Il aimait les sorties, les soirées dansantes et il continuait peut-être un petit peu tard. À mon avis, mais bon. Et Florence ne semblait pas le suivre dans ce domaine. C'est vrai que c'est un fêtard. Moi, j'ai toujours dit que c'est quelqu'un qui avait 18 ans jusqu'à la quarantaine, quoi. Même une fois marié ou en ménage, avec des enfants, il ne s'est pas assagi, quoi. Les fêtes se terminent de plus en plus tard. Et elles sont toujours plus arrosées. Yves finit par se faire suspendre son permis de conduire. Mais il continue de sortir et de boire, en perdre conscience. Il était très gentil, quand il avait trop bu, il s'endormait. Donc il s'endormait n'importe où, il dormait. Et Florence en riait, on prenait ça comme ça, puisqu'on avait l'habitude, c'était comme ça, quoi. Yves n'a plus aucune limite. Il multiplie les sorties en boîte de nuit, souvent avec le père de Florence, et finit parfois ses nuits chez ses beaux-parents, à Barbizon. Le lendemain, il leur raconte ses frasques, ses aventures sexuelles de la nuit. Quelque chose ne tourne plus rond. Je lui dis à Yves, je lui dis, mais attends, arrête, t'as pas besoin de dire quand tu fais une fête, quand tu rencontres une petite nana, même si c'est rien passé, t'as pas besoin de raconter ça à ton beau-père qui, par la suite, pourra raconter ça à ta femme. Et là, ça me dépassait un petit peu. Yves se vante de ses infidélités et raconte même ses aventures extra-conjugales chez lui, à table, devant ses invités.
Lors de ce déjeuner, Yves se met à nous raconter qu'il avait eu une aventure avec une jeune femme. Bon, à table en fin de repas, Yves sort ça comme ça. Florence, qui était là, a évidemment été surprise. Enfin, en tout cas, il est évident qu'elle aurait préféré savoir ça dans d'autres circonstances qu'à table avec des invités. Et pourtant, Florence reste une épouse compréhensive. Et ça étonne. Florence était au courant de toutes ces aventures qu'ils pouvaient avoir. Alors, soit c'est comme un accord, ils ont fait un pacte, ils ont fait un contrat, dans un, je sais pas. Ou alors, soit un jour ou l'autre, ça pète. Yves Bourgade a un mode de vie, allez, disons-le, peu ordinaire. Mais il n'a pas d'ennemis. Yves Bourgade est un artisan maçon qui travaille, qui est énormément apprécié. Apprécié par ses amis, apprécié par ses clients, apprécié par les gens qui travaillent avec lui. Cet homme a une vie que l'on peut qualifier quand même de très marginale, voire dissolue. Au fur et à mesure que le temps passe, et surtout ces derniers temps, il est tombé dans l'alcoolisme le plus lourd. Il lui est arrivé le week-end précédent de boire tellement qu'il n'a pas pu aller travailler le lendemain. Cet homme, en tout cas, même quand il est sous, même quand il est ivre, ça lui arrive. Tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est pas violent, il n'est pas agressif. Finalement, plus votre enquête avance et plus elle se resserre autour du personnage de Florence Federle. Vous la placez sur écoute, Florence Federle ? Elle est placée sur écoute, évidemment. Ça donne quelque chose ? Elle a vendu des meubles, elle a vendu des véhicules. Et donc, Florence Federle veut refaire sa vie, elle veut partir dans le Berry. Donc elle va remettre en état la maison dans laquelle son mari a été vu pour la dernière fois. Remettre en état la maison, évidemment, ça attire le soupçon, ça. À partir du moment où on entend que des travaux de changement de moquette vont être engagés, eh bien on se dit qu'il faut y aller le plus vite possible pour essayer de retrouver des traces, des indices qui vont se rajouter à tous les éléments d'enquête que nous avons déjà recueillis. Les policiers veulent mettre la main sur la moquette avant qu'elle ne parte à la décharge. Alors ils foncent chez Florence Federle. Les trois enfants sont tout de suite mis à l'écart et interrogés. Les inspecteurs de la crime annoncent à Florence Federle qu'on a retrouvé le corps de son mari et qu'elle est placée en garde à vue pour son assassinat. Madame Federle, à l'annonce de la mort de son époux, prend acte. Elle ne réagit pour ainsi dire pas. Elle semble anesthésiée. Les policiers lui demandent de se soumettre à un prélèvement ADN. Et il se lance dans la perquisition de la maison. Au premier étage, il constate que les moquettes ont bien disparu. La chambre du couple a été récemment nettoyée à grandes eaux. À l'étage, il n'y a plus rien. Les travaux ont considérablement avancé. Les moquettes ont été arrachées. Le papier a été arraché. Lorsqu'on demande à Florence Federle où se trouvent les moquettes, ce qui était pour nous très très important, elles ont été, selon ses propres déclarations, jetées à la déchetterie. Ces fameuses moquettes portaient-elles des traces de sang ? Elles ne seront jamais retrouvées. La police scientifique passe chaque pièce de la maison au peigne fin, ou plutôt au Blue Star, un procédé qui révèle les traces de sang invisibles à l'œil nu. Et sous la lumière bleue, des taches de sang apparaissent sur les plinthes de la chambre, sur la tête de lit, dans la salle de bain et dans l'escalier. Les indices s'accumulent et ça n'est pas fini. Dans la cheminée du séjour, les policiers font une autre découverte. Des morceaux de chiffon blanc, de tissu blanc, vont également être découverts, partiellement brûlés. Ces morceaux de tissu ressemblent énormément à ceux qui ont été découverts sous le corps, sur le parking des Grands Avaux. Dans la voiture de Florence, les policiers découvrent des photos du dernier chantier d'Yves. On y voit une bâche de couleur verte, la même que celle qui a été retrouvée près du cadavre. Florence se souvient qu'Yves l'utilisait pour son travail et dit qu'elle avait mystérieusement disparu.
Quant au liner bleu, il semble, lui aussi, venir tout droit de la maison de Moigné. On découvre sur le côté de la maison l'armature d'une piscine, d'une petite piscine familiale sans le liner. La Florence dit, bah, effectivement, on avait un liner, mais je ne sais pas du tout où il est passé non plus. Nous, malheureusement, on sait où il est passé, on l'a retrouvé sur le parking. Quelques jours plus tard, les policiers retrouvent la fourgonnette blanche qui appartenait à Yves et que Florence a vendue 2 mois plus tôt à des gens du voyage. Là encore, le Blue Star révèle de nombreuses taches de sang. Les policiers de Versailles interrogent Florence Federley, mais elle leur resserre toujours la même histoire, comme elle l'avait fait avec les gendarmes. Alors ils abattent la carte qu'ils lui cachaient. Ils lui apprennent que le corps de son mari a été retrouvé mutilé et carbonisé. Florence se dit très choquée et ajoute que des barbares en voulaient peut-être à son argent. Puis les questions s'enchaînent. Dans la maison de Moigny, les policiers ont retrouvé des médicaments, des benzodiazépines. Qu'a-t-elle à dire là-dessus? Florence se souvient qu'elle traversait une période difficile. Elle souffrait d'insomnie. Elle était anxieuse. Son médecin lui a donc prescrit un anxiolytique. Elle n'en dira pas plus. Voilà quelqu'un qui va se faire prescrire chez son médecin des médicaments un peu inhabituels pour elle. Elle va les obtenir la veille. Et on va retrouver dans le corps de son mari quelques jours plus tard ces mêmes médicaments qui sont des calmants, qui sont ingurgités par lui à des doses massives, au moins pour un. Et ces tissus, brûlés dans la cheminée, ils ressemblent aux vêtements d'Yves. Elle explique simplement qu'elle a l'habitude de brûler de petits chiffons de ménage. Et ce sang dont on trouve des éclaboussures à plusieurs endroits au premier étage de la maison, elle pense qu'il s'agit du sang d'Yves. Il était artisan, il rentrait souvent ivre et il a pu se blesser, se couper. La première journée de garde à vue s'achève et les explications de Florence Federley n'ont pas convaincu les policiers. Alors Dominique, les policiers de Versailles vont tenter de reconstituer cette journée du 25 en s'appuyant sur les déclarations faites par Florence Federley lorsqu'elle leur a signalé la disparition de son mari. Ça donne quoi? Ça donne des contradictions, Christophe. Ce qui est certain, c'est que le 25 février à 6h45, elle téléphone à l'ouvrier de son mari en lui demandant de ne pas venir. Ce qui est certain aussi, c'est que quelques instants plus tard, elle téléphone à sa voisine, Christine, pour lui demander d'emmener ses enfants chez sa sœur Frédéric à Barbizon. Ça, c'est un peu étonnant parce que Florence Federley, elle a, selon tous les témoignages qui vont être recueillis, la réputation d'être une femme qui ne se sépare jamais de ses enfants. Maintenant, elle se contredit en permanence. À sa famille, elle dit que son mari est parti à 14h. À sa belle-mère, Madame Bourgade, elle dit qu'il est parti à 16h. Et dans une ultime déposition, elle dit que son mari, il est parti à 10h du matin. Donc on va vraiment d'une extrémité à l'autre. Hein. Ce qui est certain aussi, c'est que dans la journée, Florence Federley dit avoir fait un aller-retour rapide chez sa sœur, qu'elle retrouve ce soir du 25 février chez elle à Barbizon. Elle va voir ses enfants, mais elle ne reste pas dormir à Barbizon parce qu'elle dit à Frédéric, elle lui dit, je préfère rentrer chez moi pour être là au cas où Yves reviendrait. Qu'est-ce qu'elle a fait les jours suivants? Le lendemain, jeudi 26 février, elle va à la gendarmerie. Et elle va déclarer un abandon de domicile. Elle raconte qu'elle a passé le reste de la journée chez elle. La police vérifie, c'est vrai. Elle a beaucoup téléphoné. Elle a téléphoné à la famille, elle a téléphoné aux amis. Elle a essayé de savoir si quelqu'un avait des nouvelles d'Yves. Le surlendemain, vendredi 27 février, il y a quand même quelque chose de très intéressant ce vendredi. À 11h48, elle va composer pour la première fois le numéro du téléphone portable de son mari. C'est quand même étrange, ça. 2 jours après sa disparition. Le 3 juin, le laboratoire confirme que l'ADN de Florence Federley correspond à l'ADN prélevé sur le mégot retrouvé à Chanqueuil. Cette fois, les policiers tiennent une preuve. Enfin un élément qui peut la déstabiliser. Nous lui indiquons donc effectivement que son ADN a été découvert sur le lieu de découverte du corps.
Elle était prête à nous donner une explication, mais elle voulait avant tout connaître le support sur lequel son ADN avait été découvert. Elle nous disait, mais dites-moi sur quoi il est, je vais vous apporter une explication, dites-moi sur quoi il est. Les policiers ne vont pas lui dire sur quoi. Et elle va, à ce moment-là, avoir une idée assez curieuse. Et elle va dire, ah, mais c'est peut-être sur un Kleenex, et le Kleenex, il a pu être emmené sur place par les assassins. Elle n'a pas la moindre idée à ce moment-là, évidemment, du fait qu'il s'agit d'une cigarette. Mais elle va quand même immédiatement donner une explication. Alors que, il me semble que si réellement elle était totalement étrangère à ces faits, elle dirait, mais je ne comprends pas comment mon ADN peut être sur place. C'est impossible. Florence Federle cherche une réponse à tout et elle finit par s'engluer dans des explications toujours plus farfelues et contradictoires. Et quand les policiers lui indiquent enfin que c'est sur un mégot qu'ils ont retrouvé son ADN, elle échafaude d'un nouveau scénario aussi incohérent que le premier. Face à ça, elle va dire « Mais rien ne prouve que j'y étais ». Dans un premier temps, elle dira « Mais c'est peut-être un mégot qui était sur la bâche ». Ce qui veut dire d'une certaine façon qu'elle reconnaît que c'est bien la bâche de sa maison qui a servi, par parenthèse. Il faudrait qu'elle explique pourquoi. Et puis ensuite, elle va dire « Non, je pense que c'est un complot. On a mis ce mégot exprès pour m'accuser. » Mais la théorie du complot s'arrête net. Florence Federle n'a aucun élément pour l'appuyer. Le ton et la pression montent. Florence est à deux doigts de craquer et un détail capital finit par lui échapper. À un moment donné, elle dit « Non, je n'ai pas tué mon mari, ce n'est pas moi qui l'ai découpé, ce n'est pas moi qui l'ai déposé, ce n'est pas moi qui l'ai mis nu, ce n'est pas moi. » Ce détail de nudité, personne ne lui avait révélé, absolument personne. C'est un détail que nous avons gardé et elle n'était pas au courant de ce détail. C'était pas possible. Mais Florence Federle rétorque que ce sont les policiers eux-mêmes qui lui ont dit que le corps de son mari était nu. Après 24 heures de garde à vue, elle a toujours réponse à tout. Florence Federle n'a jamais perdu pied. On espère toujours qu'elle craque. Quand nous avons quelqu'un en face de nous qui est en garde à vue, sur lequel on a de gros gros soupçons, oui, mais Florence Federle n'a jamais lâché prise. Jean Espitalier, en garde à vue, Florence Federle a une attitude quand même assez étonnante. Hein. Florence Federle va nier. Elle va être entendue à trois reprises et elle va fournir, elle va s'attacher systématiquement à fournir des explications à toutes les questions qui sont posées. Mais ces explications, bien évidemment, ne sont pas convaincantes. Alors, tous les indices retrouvés vous amènent à penser que Florence Federle a tué son mari Yves Bourgade. Alors, quel scénario est-ce que vous vous faites de l'instant du crime ? Eh bien, ce qui est certain, c'est qu'à 6h du matin, 6h30 du matin, il y a une dispute, les enfants en parlent. Cette dispute a existé. Il était donc vivant à ce moment-là. À 7h... lorsque les enfants sont partis, et lorsqu'elle les a amenés précipitamment sans prendre le temps de les faire déjeuner chez la voisine, aperçoit le corps de son père étendu sur le lit. Il dit qu'il dort. Mais est-ce qu'il dormait ou est-ce qu'il avait déjà reçu à ce moment-là un coup mortel ? On ne sait pas. On n'a pas retrouvé la tête, donc on ne sait pas s'il n'a pas reçu des coups sur la tête. Par la suite, lorsque les enfants sont partis chez sa sœur Frédérique, lorsqu'elle est seule, elle a tout loisir de découper le corps, de le descendre par les escaliers, de le ranger dans la bâche et le liner, de le mettre dans un véhicule et puis de l'amener, pas ce jour-là, le lendemain matin, puisque c'est dans la nuit du 26 au 27 que le transport va se réaliser. Le 3 juin, Florence Federle est mise en examen pour l'assassinat de son mari. Elle est placée en détention le soir même à Fleury-Mérogis. Désormais, les policiers veulent en savoir plus sur cette femme que tout accuse, mais qui se débat comme une lionne. Avant, Florence Federle avait tout de la mère de famille modèle. Passionnément amoureuse de son mari malgré ses frasques et son goût pour la fête. Pour que son mariage tienne,
elle avait fait beaucoup de concessions. Le soir, elle l'attendait avec un verre de whisky. Il n'y avait plus que le glaçon à mettre dans le verre. Quand elle entendait le portail électrique s'ouvrir, elle ouvrait le frigo, elle mettait le glaçon pour qu'il ait son whisky en arrivant. Elle fait attention à lui, elle a des tas d'attention comme ça pour lui. Qui me faisait penser, moi, qu'elle avait pas trois enfants, mais quatre, quoi. Florence Federle, l'épouse compréhensive, toujours souriante et accueillante, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, capable d'improviser un repas pour Yves et sa bande de copains, de retour de boîte de nuit. Elle descendait, elle nous faisait une tranche de jambon, une omelette, et avec le sourire. Et puis alors après, elle nous disait de « faites pas trop de bruit parce que les enfants dorment ». Donc systématiquement, on mettait un peu la musique un peu en sourdine, et la fête repartait. Et puis après, souvent, on dormait à Moulignon, on trouvait toujours un petit coin pour dormir. On avait chacun notre petite piole pour dormir et puis pour reprendre après la route le lendemain. Pour que son mari s'amuse, Florence a même organisé ses retours de soirée en demandant à sa meilleure amie de le conduire, puisqu'il a perdu son permis. De retour à la maison, c'est elle qui porte son mari complètement ivre jusqu'à son lit. Mais à la fin de l'année 2003, à force de faire la fête, Yves est de moins en moins sérieux dans son travail. Le couple va mal. Florence, pourtant si douée dans l'art de paraître, ne parvient plus à cacher son malaise. Même dans les réunions familiales, avant elle était joviale, elle prenait l'apéritif, une coupe de champagne, peut-être des fois une de trop, enfin peu importe, parce qu'on a eu quand même des scènes familiales assez drôles. Mais à la fin, plus d'alcool, rien. Elle était prostrée dans son coin, même avec Yves, hein. Elle était prostrée dans son coin sur un fauteuil ou un canapé avec ses enfants. Elle faisait communion avec, elle faisait bloc. Et puis nous, on se retrouvait à table et puis elle était complètement ailleurs. Petit à petit, Florence se replie sur elle-même sans se plaindre, sans jamais parler de ses difficultés. Et d'ailleurs, quand les policiers de Versailles l'interrogent, Florence reste une épouse digne, qui n'a pas un mot contre son mari. Il était hors de question qu'elle dise à un moment ou un autre « Je n'accepte pas la vie que je mène, mon mari me délaisse, mon mari... » Non. Non. Quand la question lui était posée, c'est « Mais non, c'est rien, c'est notre façon de vivre, on est heureux comme ça. Voilà, Yves fait ce qu'il veut, moi je suis à la maison, mais je sais qu'il m'aime et c'est pour moi le plus important. Tout va bien. Oui, mais... quand même. Non, non, tout va bien. Tout va bien. » Cette femme a pendant des années accepté pour l'apparence, pour ses enfants, pour préserver l'équilibre de la famille, peut-être pour des raisons financières, parce que quelque part, elle y trouvait son compte. Elle a fait semblant d'accepter une situation qui, malgré tout, était assez humiliante. Fin 2003, pour tenter de sauver son foyer de la faillite, Florence décide de travailler et veut devenir famille d'accueil pour la DAS. Sa candidature est retenue. Elle est à deux doigts d'obtenir l'agrément. La DAS, il voulait quand même voir Yves. Et Yves semblait pas aussi enthousiaste qu'elle. Et apparemment, il s'est, à chaque rendez-vous, il a fait capoter les rendez-vous. Elle l'a très mal pris. Elle n'a pas très bien accepté, quoi. Elle était très en colère par rapport à lui. C'est parce que c'était quand même quelque chose qu'on lui faisait, elle l'a toujours laissé faire, et que là, pour une fois qu'elle voulait faire quelque chose, il n'a pas accepté ce qu'elle, elle voulait. Yves fait de la résistance passive. Il n'affronte pas les problèmes. Mais pour autant, Florence ne parle jamais de divorce. Alors, la relation va se dégrader lentement, jusqu'au bout. On peut se demander si à partir de ce moment-là, avec quelques disputes un peu inhabituelles dans le couple, n'a pas germé dans son esprit, dans une sorte de folie grandissante, l'idée qu'elle ne s'en sortirait jamais, sauf à faire disparaître son mari. Un petit point technique, on a retrouvé des traces de sang dans la chambre du couple Yves Bourgade-Florence Federle. Est-ce que vous êtes en mesure, en clôturant votre enquête, d'affirmer que ce sang
et celui d'Yves Bourgade. Pas du tout. On a retrouvé des traces biologiques, d'une part, et d'autre part, des traces de sang. Mais il n'est pas possible de sortir, d'extraire de l'ADN de ces emplacements. Parce qu'il est apparu que ces traces avaient été lavées avec des détergents et peut-être même avec de l'eau oxygénée, avec de l'eau de Javel. Donc impossible de dire avec certitude, c'est le sang d'Yves Bourgade. Impossible. Maître Cohen-Saban, vous êtes l'avocat de Florence Federle. Des traces de sang dans ce dossier, on en a trouvé partout, hein, autour du lit. On en a trouvé en direction de la sortie de la chambre. Mais scientifiquement, on n'a pas pu prouver que c'est le sang d'Yves Bourgade, puisque manifestement, les traces ont été nettoyées. Quel usage est-ce que vous faites de ça, vous, pour la défendre ? Moi, ce que j'observe, c'est que toutes les traces qui, elles, sont identifiables, ne sont pas les traces de sang ni les traces ADN de la victime. Par conséquent, on ne peut pas dire qu'il a été tué dans cette chambre, on ne peut pas le prouver, on ne peut pas l'affirmer. On peut le supposer. Voilà un homme qui a disparu, qu'on retrouve décapité, démembré, mort, et voilà une chambre dans laquelle il y a moult traces de sang, certes pas identifiables, mais nombreuses. Nombreuses d'une part, mais certainement inférieure en quantité, en qualité, si je puis dire, en qualité d'analyse, inférieure à ce que pourrait donner le découpage à la scie circulaire ou à la scie sauteuse d'un corps humain. Il est impossible, impossible de nettoyer le matelas sur lequel dort celui qui est assassiné et celui qui est découpé. C'est impossible. Or, ce matelas, on l'a retrouvé. On l'a analysé et ce n'est pas Yves Bourgade, qui laisse son sang dessus, qui laisse sa trace ADN. Est-ce qu'elle aurait eu une raison de tuer son mari ? Elle avait 15 000 raisons. Qu'ont toutes les femmes trompées, qu'ont toutes les femmes bafouées, qu'ont toutes les femmes abandonnées, qu'ont toutes les femmes qui vivent avec un fêtard, qui rentrent ivre mort régulièrement. Elle avait ces raisons-là, mais est-ce une raison de tuer d'une part, mais surtout, est-ce une raison pour avoir ce degré de haine qu'implique de découper un corps humain post-mortem d'un coup sec, calmement, froidement, sans qu'entre les deux il y ait le moindre malaise. Pas d'arme du crime, un mobile qui reste flou et une énorme incertitude concernant le sang dans la maison de Moigny-sur-École. Ça fait beaucoup de zones d'ombre. Et puis, la date et la cause de la mort d'Yves Bourgade sont incertaines. Alors, au moment de clore son enquête, le juge décide de ne pas retenir l'hypothèse d'un crime prémédité. Florence Federle est donc renvoyée devant la cour pour meurtre. Son procès devant les assises d'Evry s'ouvre le 15 janvier 2007. Ça fait 31 mois qu'elle est en prison. Le procès de Florence Federle débute dans une ambiance pesante. Les deux clans d'une famille déchirée s'opposent avec au milieu les enfants d'Yves et de Florence. Un drame familial se joue devant les curieux venus assister en masse à ce procès peu ordinaire. Beaucoup de gens se sont déplacés à ce procès pour voir ce qui était un petit peu, ce qu'on appelait un petit peu le monstre, parce que c'est quand même un procès un peu hors norme. On a un corps démembré à la scie électrique, plus de tête, plus de mains, plus de pieds. Le corps est brûlé et tout le monde a envie de voir à quoi correspond un être humain capable de faire une chose pareille. Florence Federle apparaît amaigrie, les cheveux courts, le visage sec. Dans le box des accusés, elle toise la salle. On est étonné par sa raideur et sa dureté. On avait un sentiment de repli, d'une froideur surprenante. N'a quasiment jamais manifesté la moindre émotion. Même lorsqu'elle parlait de ses enfants, même lorsque les enfants étaient à la barre ou dans la salle, lorsqu'elle parlait de son mari, dont elle disait pourtant que c'était l'amour de sa vie, que jamais elle aurait pu lui faire une chose pareille, elle, je dirais pour une innocente, ne témoigne de rien, ne témoigne d'aucune chaleur, d'aucun désespoir, d'aucune tristesse, d'aucune colère contre cette accusation, rien. Florence Federle assiste à son procès en spectatrice quasi muette. Et quand le président de la cour d'assises parvient à lui arracher quelques mots,
ça n'explique rien de son geste. Elle était persuadée qu'elle n'avait rien à faire là, qu'elle n'avait rien à faire dans ce box, que ce n'est pas son procès, que ce n'est pas elle qui a tué son mari. D'ailleurs, ça va être le leitmotiv qu'elle va utiliser, qu'elle va répéter pendant 4 jours. Je n'ai pas tué mon mari, je n'ai pas tué mon mari. Elle, elle considère qu'elle n'a pas à se justifier et elle n'a pas à répondre aux questions du président. Elle aurait pu donner éventuellement une explication sur son comportement au jury. Le problème, c'est qu'elle s'est limitée à cette phrase. C'est un peu court. Quand on adopte une attitude où on reste droit, où on n'exprime aucune émotion, où on regarde les jurés droit dans les yeux, où à aucun moment on ne baisse la tête quasiment, il faut derrière avoir la défense suffisante pour justifier cette attitude et donc répondre aux questions qui vous sont posées. Clairement, son attitude joue contre elle. Et c'est vrai que sa personnalité ne la sert pas. C'est certain, parce que ça donne vraiment l'impression d'une froideur qui la rend capable de masquer son geste. Mais rien ne prouve que Florence Federle a tué. On ne sait donc rien du scénario précis qui a entraîné la mort d'Yves Bourgade. Et ce doute, les avocats de la défense vont en jouer. Ma conviction, c'est que ce découpage terrible, atroce, requiert une force physique, une force de la main, notamment des mains, qu'elle n'a pas, qu'elle ne peut pas avoir. Parce et, une installation. Et une installation. On sait tous que pour découper quoi que ce soit, et encore plus un corps humain, il faut une installation, que ça ne peut pas avoir eu lieu dans cette chambre. En l'absence de preuves, pour se forger une intime conviction, les jurés ne peuvent qu'observer Florence Federle, qui décidément reste d'une froideur incroyable. Le président fait distribuer parmi les jurés qui l'entourent des photos du cadavre d'Yves Bourgade. Et là, les jurés, ils ont une réaction d'horreur. C'est-à-dire que certains ouvrent des yeux grands, d'autres mettent la main devant la bouche. Et beaucoup passent leur regard de la photo à Florence et de Florence à la photo. Et elle, elle les regarde. Elle les regarde, elle les fixe des yeux. Et là encore, ça rentre encore dans ce processus de comportement de défiance et voire d'arrogance, disant « Qui êtes-vous, vous, pour me juger ?» Le témoignage de l'expert psychiatre est particulièrement attendu pour tenter de percer la personnalité de Florence Federle. Voilà une personnalité qui est narcissique, qui fait tout pour que son image ne soit pas écornée, qui est tout le temps dans la maîtrise de soi, qui nie. Pourquoi ? Parce que l'expert nous l'a dit, elle a, et ce sont les termes même de l'expert à l'audience, elle a une capacité exceptionnelle de rétention des données. Elle ne peut pas. Même si elle le voulait, elle ne pourrait pas avouer les faits. Mais qu'est-ce qui aurait pu la pousser à tuer ? Quel pourrait être son mobile ? Les experts, ils disent, c'est le schéma classique. Déception égale dépit, dépit égale rancœur. Ça, c'est ce qu'ils disent en étant sûrs d'eux. Maintenant, là où ils ne vont pas plus loin, c'est ils posent la question, est-ce que la rancœur peut permettre d'arriver à un crime aussi ignoble ? Ça, je me garderai bien de vous le dire. Ce sera au jury de décider. Maître Cohen-Saban, au procès d'Evry, tous les observateurs disent qu'elle a eu une attitude détestable. Et qu'évidemment, ce n'était pas le meilleur moyen de convaincre de son innocence. À Évry, la salle de l'audience est envahie par le clan Bourgade de la cour. Ils sont tous là. Il règne dans cette salle d'audience une hostilité incroyable qui fait qu'à cet instant, elle se sent complètement seule et elle se pense seule à devoir se défendre contre tout le monde. Lorsque, pendant l'audience, on demande aux enquêteurs qui d'autre aurait pu tuer Yves Bourgade ? Ils n'ont pas de réponse. Admettons qu'elle soit innocente, mais alors qui ? On ne voit pas. Ah, eux ne voient pas parce qu'ils n'ont pas cherché. Et vous ? Ah, moi j'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai pas trouvé. L'assassin ? Qui ? J'ai trouvé qu'il y avait d'autres pistes. C'est un procès verbal qui apparaît à l'audience. Ce procès verbal est assez extraordinaire. Je l'ai, il est ici. Le procès verbal recoupe une donnée scientifique. Lorsque Yves Bourgade est autopsié, il y a deux choses qui apparaissent. La première qui apparaît, c'est qu'il n'y a pas d'alcool dans son sang. Nous savons tous qu'Yves Bourgade rentrait régulièrement, à des heures impossibles, avec un degré d'alcoolémie très grand. Or, le jour de son décès, il n'a pas bu. Deuxième donnée capitale,
le bol alimentaire, c'est-à-dire ce qui est figé par la mort dans l'estomac, comporte des cornichons non digérés, des champignons non digérés. Ce qui veut dire que dans les heures qui ont immédiatement précédé son décès, il a mangé cela. Que trouvons-nous en fin d'enquête ? Un restaurateur qui connaît bien Yves Bourgade, qui dit qu'il est venu dîner avec un homme qu'il ne connaît pas, âgé de 50-60 ans, cheveux blancs, qu'il n'a jamais revu depuis. Et il le date du jeudi qui précède le vendredi matin où on trouve le cadavre, en train de brûler sur le bord d'un chemin. Ce point, cette piste, cette audition qui est en toutes lettres, code D488 dans le dossier, n'est pas une piste exploitée. On l'a prise comme telle, on l'a mise au dossier. Et pourquoi on la met au dossier ? C'est qu'à l'époque, lorsqu'elle est prise, on n'a pas fait le lien avec ce bol alimentaire de l'autopsie. Au troisième jour du procès, l'avocat général prend la parole. Au cours d'un long réquisitoire, il revient sur les mutilations pratiquées sur le corps d'Yves Bourgade. La coupe des pieds l'intrigue tout particulièrement, car la cheville droite a été taillée beaucoup plus haut que la cheville gauche. Pour lui, cette mutilation avait un but, éliminer un signe particulier. Il apparaît dans cette procédure que Yves Bourgade aurait eu un accident et qu'il aurait eu du coup une intervention chirurgicale à la cheville droite. Et c'est Florence Federley qui va nous donner l'explication lorsqu'elle va être placée en garde à vue. Elle expliquera qu'il a eu dans le passé un accident, qu'il a sauté d'un bateau, je crois, qu'il s'est abîmé les ligaments de la cheville droite, ce qui a dû entraîner une intervention chirurgicale. Et la conséquence de cette intervention, c'est la présence à l'intérieur et à l'extérieur de cette cheville droite d'une cicatrice de 5 cm des deux côtés. Qui d'autre que quelqu'un d'extrêmement proche savait qu'il y avait la présence de ces deux cicatrices de 5 cm qui sont des éléments d'identification. À part elle, il n'y a pas grand monde qui était au courant de ça. Cet élément-là est accablant pour Florence Federley, parce que ça veut dire que ça élimine toutes les hypothèses de gens qui ne le connaissaient pas bien. L'hypothèse d'un différend avec des rôdeurs, d'un différend avec des anciens salariés, d'un différend avec des joueurs de cartes, d'un différend avec des associés, que sais-je. Toutes ces hypothèses-là sont éliminées. L'avocat général requiert une peine de 16 ans de prison. La parole est à la défense, qui insiste sur le manque de preuves. On ne peut pas se contenter d'indices et de coïncidences. Personne n'a réussi à reconstituer le scénario qui a conduit au meurtre, à la mutilation et à la crémation du corps d'Yves Bourgade. L'accusé n'a pas fait d'aveu. Pour ses avocats, Florence doit être acquittée. À ce moment-là, on ne peut pas s'empêcher de se dire « Mais si cette femme est innocente, c'est terrible parce qu'effectivement, tout vient l'accabler, tout joue contre elle. Et toutes ces coïncidences, qui ne sont peut-être que des coïncidences, effectivement, viennent aggraver son cas. Et en même temps, ces indices convergents, ces coïncidences, les manquements de son récit, les failles, tout ce qu'elle ne parvient pas à expliquer, sa mémoire défaillante, ses je ne sais pas, cette façon de rester enfermée, prisonnière d'une version, le doute est difficile. C'est au juré maintenant de décider. Mais avant, Florence Federley s'exprime une dernière fois et répète qu'elle aimait son mari, que ce sont des sadiques et des barbares qui l'ont tué. Quelques heures plus tard, le verdict tombe. Et fait rarissime, les jurés se montrent plus durs que l'avocat général. Ah, c'est une surprise. C'est une surprise énorme. Elle prend 4 ans de plus. Elle prend 20 ans. En plus, 20 ans, c'est quand même un chiffre symbolique fort. Donc, oui, la salle est entièrement estomaquée. Quant à Florence, elle ne cille pas. Elle n'a qu'un haussement d'épaule et un bref regard vers sa mère. Au procès d'Evry, elle est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle, c'est-à-dire 4 ans de plus. Les jurés ont la main plus lourde que l'avocat général. Est-ce qu'au moment de cette délibération, vous vous dites « Ouf, ils nous ont compris ». Exactement. Ouf. C'était un soulagement énorme. Et vous vous dites, oui, elle a été désignée coupable déjà, c'est l'essentiel. Florence Federley attend la dernière limite des 10 jours de réflexion pour dire qu'elle fait appel
de cette condamnation à 20 ans de réclusion criminelle. Pourquoi est-ce qu'elle attend le dernier moment, d'après vous ? Nous étions quasiment sûrs qu'elle allait faire appel. En plus, ça allait dans sa démarche, où justement, si elle se dit innocente, il faut absolument qu'elle fasse appel. Le 23 mai 2008, c'est donc à la cour d'appel de Créteil de rejuger Florence Federlé. Entre les familles Bourgade et Federlé, la tension est toujours aussi palpable. Florence Federlé a changé d'avocat pour un grand nom du barreau. Dans le box des accusés, elle apparaît plus confiante, plus combative qu'il y a un an et demi. Elle-même, Madame Federlé, manifestement, et c'est un compliment que je fais à mon confrère Joe Cohen-Samant, est beaucoup mieux préparée. Je sais que ce n'est pas elle qui est en train de parler, qu'elle a une forme de comédie, enfin, une façon de parler. Mais c'est vrai que c'est plus convaincant, c'est plus intelligemment dit, c'est moins hautain, ça se passe mieux. On a senti cette femme vouloir donner des explications, mais vouloir même en donner trop, rentrer trop dans les détails, être trop précise et monopolisant presque beaucoup trop la parole dans le cadre de cette audience. Florence Federlé s'est adoucie et renforce le doute sur sa culpabilité, même si l'accusation fournit un témoignage capital, celui du propre père de Florence Federlé, qui est décédé dans le temps de l'instruction. Ce qu'a révélé l'audition du père de Florence Federlé à l'audience, c'est effectivement un portrait de sa fille qui n'avait été dépeint par personne d'autre jusqu'à la lecture de cette audition. Parce que son père va dire, effectivement, qu'il considérait que sa fille était devenue folle, que Yves Bourgade l'avait effectivement rendue folle par ses attitudes répétées de consommation excessive d'alcool, de sorties trop importantes. Il va aller jusqu'à dire même aux enquêteurs qui l'ont auditionné qu'il considérait que sa fille était capable de commettre le crime qui lui était reproché. Et c'est vrai que cette audition a marqué comme un... de faire rouge cette audience, je pense les juges et l'ensemble de l'assistance. En réponse, l'avocat Cohen-Samant brandit le spectre de l'erreur judiciaire et s'attache à démonter chaque pièce du dossier. Alors à Créteil, elle a du mal à s'expliquer sur la présence de ce mégot sur lequel on a retrouvé son ADN prélevé sur le cou de la victime. Elle a du mal comment l'expliquer ? Ah oui, comment l'expliquer ? Ah ben, je peux vous donner 3 explications, 5 explications, 10 explications. Aucune ne sera totalement satisfaisante parce que la question première qui se pose, c'est d'où vient ce mégot ? Première observation, quand même. On n'a jamais, c'est pas joli ce que je raconte, mais il faut le dire, on n'a jamais retrouvé la tête, les mains et les pieds d'Yves Bourgade. C'est pas simple de cacher, de dissimuler des parties d'un corps. On retrouve son corps alors qu'on s'est donné un luxe de précaution pour faire disparaître le reste, on trouve le corps en train de brûler en évidence sur un bord de route. Et le mégot jeté. Quelqu'un a pu mettre le mégot intentionnellement pour accuser Florence Federlé. Pourquoi pas ? Mais il y a quelque chose de beaucoup plus simple. La bâche dans laquelle est le corps a séjourné longtemps dans ce jardin. Florence est fumeuse. Elle peut parfaitement avoir jeté ce mégot. Maintenant, une chose, disons-le aussi... Croyez-vous vraiment qu'avant de mettre le feu à l'homme qu'on a aimé ou peut-être qu'on aime encore, que l'on vient de découper, on va faire une petite pause cigarette et jeter le mégot là-dedans ? Ça me paraît insensé. Ce que vous dites donc au juré, vous l'avocat, c'est vous allez commettre une erreur judiciaire. Non, je suis plus subtil. Je leur dis, faites attention de ne pas commettre une erreur judiciaire. Faites très attention, vous allez sortir de votre délibéré, de votre verdict, une vérité judiciaire. Mais est-ce que vous avez la vérité ? Vous ne l'aurez pas, la vérité. Nous ne l'avons pas. Pour être totalement honnête, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la vérité dans ce dossier. Mais le manque de preuves n'a pas convaincu les jurés. Le verdict tombe. Florence Federlé est condamnée à 15 ans de prison, 5 ans de moins. Et elle n'est pas condamnée pour meurtre, mais pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Ça veut dire quoi, cet arrêt? Ça veut dire que la Cour considère que c'est bien elle qui est responsable, coupable, de la mort de cet homme, mais que la Cour dit « je ne peux pas être certain que vraiment elle a voulu le tuer ». Cette requalification a été un coup terrible pour nous. Je reconnais que là, une partie de la terre s'est dérobée sous nos pieds. On a vraiment très, 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 très mal vécu ça. Édith de la Cour, quand Florence Federlé est condamnée à 15 ans de réclusion par la cour d'assises de Créteil, c'est-à-dire 5 ans de moins que lors du premier procès, comment est-ce que vous réagissez ? On est d'abord satisfait de connaître à nouveau sa culpabilité, qu'un nouveau jury l'ait reconnu coupable. Donc c'est une certitude. C'est bien elle. Ensuite, la peine, comme on dit, ça ne ramènera jamais la personne assassinée. Donc 15 ou 20 ? 15 ou 20, ça ne change pas grand-chose. Elle est condamnée, c'est important, hein, pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elle n'est pas condamnée pour meurtre. On a encore atténué sa responsabilité dans la mort de votre frère. J'ai pensé à l'éventualité de cette requalification, peut-être par rapport à ses enfants, pour qu'ils puissent imaginer quelque chose de moins douloureux pour eux. C'est-à-dire qu'elle aurait tué leur père, mais sans avoir l'intention de la donner. Mais quelque part, cette phrase me dérange. Est-ce que jusqu'au bout, vous avez espéré qu'elle fasse des aveux ? Non. Dès le départ, j'ai su, avec notre avocat d'ailleurs, que c'était une personne qui n'allait jamais avouer. En prison, Florence Federlé a continué de voir ses enfants, ses amis et sa famille qui ne l'ont jamais lâchée.